how Centre Hospitalier Dunkerque made the switch to 100% non-latex surgical gloves. At Centre Hospitalier in Dunkerque, the healthcare staff were determined to optimise their surgical unit for efficiency. Above all, they were determined to minimise allergy risks for their patients and themselves. That's why they decided to go totally latex-free. Si on nous demande un peu maintenant dans les hôpitaux, c'est un peu comme une tour de contrôle, comme un aéroport, on nous demande, vous le savez très bien, de poser 50 avions par jour, 50 avions par jour sur 10 salles, on n'est plus dans le pilotage du bloc opératoire à l'ancienne où chacun arrive quand il veut, donc on a vraiment cette optimisation des blocs opératoires. Les e-bod, vous professionnels de santé, vous êtes certainement posé la question de savoir en urgence ou quand le cadre est pas là, de savoir est-ce qu'on pouvait prendre en charge ce patient. Today's surgical units are challenging environments where good planning is essential. But surgical healthcare staff need to be agile and aware that things don't always go as planned. Je pense que vous êtes tous un jour arrivés sur le fait à avoir un patient, éligible ou non, en première position, allergique ou pas. Le patient qui arrive dans une salle, qui se suite à la checklist HAS, on lui dit « bah voilà, vous n'avez pas d'allergie particulière, etc. Non, à part, par exemple, je suis allergique au kiwi. » Et là, chez nous, ça fait tilt, on se dit « bah tiens, allergique kiwi, croisé, etc. » Peut-être que dans le service, ils ne s'en ont pas aperçu, et hop, il y a une allergie latex. Bon, ben c'est quoi, retour à la case départ? Ben, c'est un patient qui retourne dans le service, qui est reporté, etc. Preparing an operating theatre to be safe for patients who potentially have an allergy is quite an investment. When a surgical unit is forced to postpone an operation, it is not just the planning that needs to be revised. Next, the theatre needs to be cleaned and ventilated. Ventilation suffisante, nettoyage, en garde, combien d'heures, etc. Combien de fois il fallait, combien d'heures fallait ventiler, est-ce qu'il faut ventiler, pas ventiler, etc., etc., etc. Les analystes se sont dit, quand on ventile, on apporte un maximum de molécules, donc attention. Une fois qu'on a incisé, qu'est-ce qui est au contact du patient? C'est les gants. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait sorti du latex, on avait oublié de sortir, pas oublié, mais on s'est dit, là où il y a le danger, c'est aussi nos mains. Là où il y a le plus de trucs. Donc ça a été un des éléments déclencheurs. Donc partant de ça, c'est un peu, je me répète, on a fait table rase sur tout ce qui était au latex dans un bloc opératoire. When the thought of switching to latex-free was tabled, logistical implications had to be analysed and cost assessment had to be made. Même si on veut passer au tout synthétique, c'est un coût. Tout en intégrant la qualité des soins, c'est important d'étudier les coûts, l'impact financier et un choix pour arriver sur un certain équilibre. Au-delà de cette, je vous l'ai dit, l'optimisation des blocs opératoires, au-delà de faire attention si on a Virex, on est vraiment, vous le savez très bien, en tant qu'e-bot, dans la carte au risque et dans la gestion des risques. Donc il est important, dans un bloc opératoire, de gérer ces risques et donc on est arrivé sur le tout synthétique. When a hospital decides to make this change, it's beneficial to have a professional partner on board who can help you to make the right decisions. Notre choix s'est orienté vers Ansell avec très, je veux dire, bon, professionnalisme. Ils sont venus avec nous. D'abord, leur produit a été essayé par l'ensemble du personnel du bloc opératoire, que ce soit les e-bod, les IAD, les anesthésistes, les chirurgiens. Tout le monde a participé aux essais. Tout le monde a essayé, avec des fiches d'essai, un suivi pour pouvoir valider un gant qui était unanimement acceptable par tout le monde. Au-delà des coûts, au-delà de la gestion, il fallait que ça soit important. Et c'est là où Ansell a répondu à nos exigences en termes d'élasticité, de praticité, etc. dans les gants.